Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite, Battle Royale et Sauver le Monde. Parce que tout simplement j'ai été ban des deux. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai été ban, ne prenez pas peur, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors tout simplement, regardez, on va déjà vous montrer que je suis ban. Enfin je ne sais pas vraiment si je suis ban, mais voilà, une connexion à votre compte network impossible. Vous voyez, réessayez ultérieurement, j'espère que ce n'est pas vraiment un ban permanent. Mais enfin bref, comment vous pouvez éviter le ban? C'est très important, si vous voulez éviter le ban, vous ne faites déjà aucun glitch en multijoueur. Parce que si vous tuez quelqu'un en multijoueur et que après il tombe sur votre caméra, il voit que vous avez wall breach, un mur, il vous signale et là vous risquez d'être ban. Parce qu'en fait, tout simplement, Fortnite écoute fort sa communauté, mais a mis un système de report qui est très très efficace, ok? Donc en multi, faites attention si vous faites des glitches en multi. Donc moi déjà, de 1, j'en propose pas sur ma chaîne parce que bah, c'est des risques de ban, des très 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 gros risques de ban. Parce que bah, tout simplement, vous niquez le jeu des autres, vous le niquez réellement. Hein, parce que si vous tuez un type qui a 15 éliminations et que vous êtes derrière un mur, il peut pas vous tuer et vous le tuez. Tracassez pas que le type il va vraiment avoir la haine contre vous, il va vous signaler, mettre tout. Hein. Epic, PlayStation, partout, il va vous signaler partout, il va vouloir vous faire la misère, ok? Donc moi je propose pas ce genre de glitch, mais si vous faites ce genre de glitch, faites attention à cacher, mettez diffuseur ou je ne sais pas quoi, ouais, voilà, vous mettez diffuseur pour bien cacher votre pseudo. Mais ne le faites pas en live aussi, parce que si vous le faites en live, alors là je vous conseille de faire comme ça, regardez, si vous le faites en live, vous mettez des banderoles partout ou vous cachez vos pseudos. Parce que si vous montrez votre pseudo, regardez ce qui va se passer. Eh ben les gens ils vont vous signaler. Regardez, Kimum dit qu'est-ce que c'est? C'est un peu une personne, un staff, voilà, community manager Fortnite FR. Donc, pour moi je comprends ça un peu comme c'est un peu comme une secrétaire en fait. Elle, vous lui posez des questions, elle va vous répondre, enfin il va vous répondre. Et puis s'il y a un problème, ben il va envoyer votre dossier au support au-dessus. Donc voilà, c'est pas lui qui gère les bans, c'est pas lui qui pourra vous déban, c'est pas lui qui va pouvoir faire ci, ça. Non, lui, c'est un peu je sais pas, ouais, une secrétaire, gros. C'est une secrétaire, voilà, tout simplement, bref. Alors lui, mais j'ai rien contre lui, hein. T'as bien fait, tu fais ton boulot. Regardez, justement, son profil a été envoyé à notre support hier, donc voilà. Là, Virtuos, il est content, il rigole, il dit « Salut, Kimum dit pour le tweet ici ». Donc voilà, en fait, il y avait un mec qui m'avait signalé, alors Virtuos, il fait coucou, Kimundi. Je fais, ouais, gros, pourquoi tu m'as signalé et tout? Il me fait, bah, j'ai rien fait, j'ai juste dit coucou, Kimundi. Donc, je m'en fous, j'ai rien contre lui, tu vois. Et je comprends qu'il me signale, parce que, tu vois, si tout le monde aurait tout sur Fortnite sauver le monde, eh ben, tout le monde aurait tout ce qu'il y a, bah, tout ce qu'il y a dupliqué, tout ça, ben, les gens regarderaient peut-être moins leurs vidéos, parce qu'ils ont fait des astuces pour avoir. Enfin, ils ont fait des réelles astuces, moi je propose des glitches, eux ils font des astuces sur le sauver le monde, donc je comprends un peu qu'ils me signalent, donc allez, sans rancune. Bon, après je l'ai contacté en privé pour lui dire, ouais, la prochaine fois, essaye d'éviter de dire coucou qui me dit quand, tu vois, il y a un post sur moi, quoi, tu vois, parce que moi je suis pas un connard, quoi, tu vois, parce que moi, au final, moi, ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai fait, c'est rien, ça n'a niqué en rien ce qu'il y avait déjà en place, parce que tout simplement, vous allez sur YouTube... Vous tapez duplicate for Fortnite save the world. Regardez, il y a 250 000 vues, il y a 136 000 vues, il y a 50 000 vues. Enfin voilà, il y a 500 000 vues. Il y a 500 000 vues, les frères. Vous voyez, c'est des voilà quoi. Voilà. Moi, j'ai fait 40 000 vues avec ma vidéo, frère. Tu vois. Donc au final, voilà. Je sais pas quoi dire, moi, mais c'est abusé, quoi, tu vois, ce que vous avez fait, en fait, vous m'avez tous signalé, donc les personnes qui sont ici m'ont signalé, du coup, vous allez faire quoi pour le compte de Sois Cool Mec, voilà, vous m'avez signalé, mais au final, je suis ban, et quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peut-être, Virtuos, t'as plus de vues sur tes vidéos, ou les autres, vous avez plus de vues sur vos vidéos, vous avez gagné 1 €, vous avez gagné 10 €, vous avez gagné votre vie, vous avez réussi votre vie, vous avez fait quoi, voilà, vous avez fait quoi en me signalant, tu vois? Qui me dit, il a fait son boulot, lui, qui me dit, il a fait un très bon boulot, tu vois. Vous avez aidé Kimumdi à faire son boulot.
Félicitations, félicitations, vous aidez les autres. Mais vous m'aidez. Moi, j'aide réellement les autres, mais vous aidez une personne, ok? Moi, j'aide une communauté. Ma communauté, c'est une communauté de youtubeurs glitchers. Enfin, de glitchers. Et vous me signalez parce que je glitch. Mais frère, je sais pas. Tu vas aller signaler tous les dealers de France, peut-être? Tu vois? Tu vas aller dire, ouais, lui, il dit de la beuh, ouais, lui, il dit de l'héro, lui, il dit de la coke. Mais toi, mon pote, mais tu vas te faire tuer en moins de 2 secondes, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Je sais pas, chacun fait ce qu'il a envie de sa vie, quoi, tu vois. Chacun fait ce qu'il a envie de son compte, tu vois. Au final, je m'en bats les couilles, hein. Franchement, je m'en bats les couilles, mais ça me fait chier, tu vois. C'est pas le fait que j'ai perdu les 160 euros que j'ai placé dans Fortnite, parce que Fortnite m'a rapporté plus que 160 euros, tu vois. Donc, c'est même pas ce fait-là, tu vois. C'est le fait que vous m'avez signalé, les frères, tu vois. Vous avez signalé une personne qui fait pas de mal, tu vois. Je fais rien, tu vois. Je vous ai pas niqué en multi. J'ai niqué personne, quoi, bordel de merde. Non, franchement, vous me cassez les couilles. Putain. Moi, ça me fait chier. Personnellement, ça me fait chier. Enfin bref, je me suis recréé un compte. C'est pas ça le problème. C'est vraiment la mentalité des gens de signaler les personnes comme moi. Hein. Moi, j'ai des principes, les mecs. Et vous me mettez dans un sac. Genre, j'ai parlé à une personne. Carrément, cette personne, elle me dit « Ouais, mais t'es un glitcher. Moi, je parle pas avec toi. T'es un glitcher. » Mais le type, il est raciste, frère. Il est raciste contre les glitchers, quoi. Mais wesh. Et le type, il va arnaquer une personne de 14 ans en faisant une vidéo, j'arnaque un arnaqueur. Mais va te faire faute, mec. Va te faire faute. Moi, j'arnaque personne, frère, tu vois. Moi, je prends des risques pour ma communauté. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu vas arnaquer un ta communauté, tu vas l'arnaquer, frère. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ça me casse les couilles, franchement, vous me cassez les couilles. Quand je vois des mentalités comme ça, hein, ça me fait chier, franchement, ça me fait chier. Moi, je suis là, hein, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, vous êtes là, ça fait 6 mois que vous êtes sur YouTube, vous faites le buzz et après vous venez parler, tu vois. Vous venez parler, mentionner, vous venez me signaler, vous me faites des chiens, mais moi, je vous fais des chiens dans votre gueule, les mecs, hein. Moi, je m'en bats les couilles, frère, tu m'as signalé, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être plus vigilant, frère, regarde ce que je fais, là, tu vois. Je cache mon identifiant, tout. Comment tu vas me signaler, fils de chien? Hein, comment tu vas faire, maintenant, pour me signaler? Dis-moi, parce que si t'arrives à me signaler, dis-moi comment tu fais, parce que là, je veux le faire aussi, tu vois. Mais pour moi, t'arriveras plus, là, c'est mort, tu vois, c'est mort, t'arriveras pas à me signaler, tu vois. Et c'est comme ça que vous devez faire, les gens. Si vous voulez glitcher, et que vous, si par exemple, vous êtes youtubeur, ben vous cachez votre pseudo quand vous glitchez. Mais si maintenant, vous êtes un petit joueur et que vous glitchez, ben vous ne risquez rien. Parce que dans le Sauver le Monde, on peut pas vous signaler s'il y a personne qui connaît votre pseudo. Vous voyez, quand vous êtes en multi, vous tuez une personne, vous êtes dans un mur, vous brichez le mur, vous tuez cette personne elle vous voit, et ben direct elle va vous signaler. En Sauver le Monde, vous êtes tout seul sur une grande map, c'est votre partie, c'est votre sauvegarde, c'est vous, c'est vos serveurs, vous êtes tout seul dans votre petit serveur, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous invitez vos potes, vous faites ce que vous voulez. Personne ne saura vous signaler. Par contre, moi, en étant youtubeur, bah, j'ai montré mes identifiants. Et c'est pour ça que je me suis fait ban. Parce que on m'a signalé. Mais allez, tranquille. Tranquille. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Je sais que maintenant, quand je fais un glitch sur Fortnite, en plus, faut savoir que mes potes m'ont dit, si tu présentes, ne présente pas ce glitch parce que la communauté ne va pas apprécier. Enfin, quand ils disent la communauté, ils parlent surtout des youtubeurs et certaines personnes de la communauté. Parce que sur 100 personnes qui ont regardé la vidéo, on va dire, tu vois, ben il y en a peut-être 3 qui ont pas aimé, tu vois. 3 qui vont dire, ouais, fils de pute, tu niques le jeu, hein. Et il y en a blindés d'autres qui vont dire merci, quoi, tu vois, parce que ils ne connaissaient pas cette astuce, ça va les aider, ils vont rattraper leurs potes qui sont en avance dessus, ou ils vont rattraper leur retard, ils vont prendre, enfin voilà, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'accélérer leur niveau de progression dans le jeu, ben ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent des armes super cheatées, ben c'est à eux c'est eux qui choisissent, tu vois. Pourquoi toi tu aurais le choix de dire, ah ouais, non, les Français, personne ne fera la vidéo en français parce que ben je veux pas que la communauté française glitch. Et je veux pas qu'elle prenne de l'avance. Pourquoi? Mais t'es qui, toi, pour dire ça? Si lui, il a envie de le faire, il le fait, tu vois. Il fait ce qu'il veut, frère, tu vois. Moi, je lui ai donné l'opportunité de savoir la faille. J'ai fait une relais d'informations parce que c'est pas moi qui ai inventé le glitch. Vous tracassez pas. Je suis même pas inventeur de 5% de mes glitchs. Tous mes glitchs, tout est en description. Je l'explique. J'explique c'est qui. Voilà, je dis tout à chaque fois. Moi, je présente des glitchs. Je suis un relais d'informations. Je présente ce que moi, je fais dans mon truc. Bon, là, j'avoue, je le faisais pas sur Fortnite Sauver le Monde, mais mes potes le faisaient. Et je sais que dans ma communauté, il y a des gens qui me demandent de faire des vidéos Sauver le Monde et des glitchs Sauver le Monde. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais plaisir à ma communauté. Donc, je fais ce que je suis. Je suis là pour ça, putain de merde. Je suis là pour ça. J'ai toujours fait ça comme ça.
Après on vient, on me signale. Psst, bande de chacal, quoi. Bande de chacal. Mais je m'en bats les couilles, moi. Je m'en bats les couilles parce que... Ouais, j'ai perdu 160 boules, j'ai perdu mon compte et quoi. Battle Royale, c'est gratuit, je me recrée un deuxième compte. Là, à la place de m'appeler Swacool, je m'appellerai Swacool mec, ok. Ici, sur le compte que vous voyez là, bah, je me suis appelé d'une façon très très bizarre pour pas qu'on me signale assez rapidement, tu vois. Donc voilà, là, je vais faire que des glitches avec ce compte-là, comme ça, bah, je risque rien. Et avec mon vrai compte, bah, je jouerai qu'en BR. Et j'achèterai plus jamais un skin en BR. Je vais juste acheter le pass de combat à 10€. Je vais investir 10€ dans leur jeu. Et plus jamais, je vais réinvestir de plus d'argent. Moi, au début, j'investissais de l'argent parce que, bah voilà, tout le monde disait des skins et tout. Moi aussi, je voulais des skins et tout. Mais maintenant, je veux plus rien, frère. Je veux plus rien. Je vais juste venir sur votre jeu, faire ce que j'ai à faire, m'amuser si j'ai envie de m'amuser, glitcher si j'ai envie de glitcher, et puis basta. Je veux pas user un seul centime dans votre jeu. Enfin, si, pour les 10€ de battle du pass de combat. C'est tout. C'est tout. Mais après, plus rien, que dalle. Pas de skin, pas de pioche, rien du tout. C'est tout. En balèque. Ils m'ont niqué une fois, ils me niqueront pas deux fois. À moins qu'ils me rendent mon compte. S'ils me rendent mon compte, même s'ils me rendent mon compte, mon gars, ils vont pas les couilles. Je rachèterai même pas un skin. J'utiliserai les 5000 V-Bucks qui me restent sur mon compte. Et puis voilà, basta. Tu vois, je serai plus jamais. Plus rien. Qu'ils aillent se faire foutre. Le pire, c'est que je m'en prends à Fortnite là parce que ça me fait chier qu'ils m'aillent banni sans me dire une seule explication, sans. Pas un message, rien. Alors j'ai été voir là qui me dit, tu vois, je lui ai dit ouais comment tu fais pour contacter, il m'a répondu blablabla. Alors j'ai été sur le site hein, bien sûr, j'ai regardé un peu dans leur assistance blablabla, il y a tellement de trucs, voilà. Après j'ai fait oui contacter, voilà, j'ai contacté, j'ai mis mon nom, voilà, mon adresse email, j'ai fait la plateforme PS4, mais bon de toute façon au final c'est sur toutes les plateformes que je suis baisé. Enfin, bref, il a dit voilà j'ai été bloqué et tout ça. Mais ils me répondront pas, frère. Ils me répondront dans 150 ans. Je jouerai déjà même plus à leur jeu. Dans deux semaines, je pars en vacances. Même pas dans 10 jours, je pars en vacances. Puis je prends ma play pour faire les défis. Et puis pour jouer à Blackout quand le 10 septembre. Parce que je pars jusqu'au 20 septembre. Donc voilà, je vais essayer de prendre ma play. Gratter un peu la connexion là-bas. Pour faire un peu de vidéo et tout ça. Mais voilà, Fortnite. Moi, Fortnite, je vais jouer que pour les défis, quoi. Que pour le pass de combat, tu vois. Moi, je jouais. Voilà, tu vois, dans 4 semaines, non, dans 2 mois, ouais, dans 2 mois, c'est Black Ops 4 qui sort, enfin, moins de 2 mois, donc, voilà, je vais plus être beaucoup sur Fortnite, mais je vais quand même continuer mes défis sur Fortnite, etc. Mais voilà, tu vois, c'est quand même, j'y jouerai de temps en temps, tu vois, des lives spéciales abonnés, peut-être, ou des lives spéciales sponsor modo donateur, enfin, ou des petits lives entre potes comme ça, j'y jouerai encore, mais j'y jouerai beaucoup moins, tu vois. Donc au final, je m'en bats les couilles que vous m'avez banni. Mais dites-moi pourquoi et répondez-moi quand je vous envoie un mail, quoi. Vous me dites, quand j'essaie de me connecter, connexion impossible. On me dit pas, ouais, vous êtes ban, on me dit pas, vous êtes ban permanent, on me dit rien du tout, frère. Moi, j'en ai marre, tu vois, je sais même pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois créer un nouveau compte? Est-ce que je dois attendre? Voilà, quoi, tu vois. Enfin bref. Si vous voulez, si vous voulez glitcher, faites-le discrètement, les frères. Faites-le vraiment discrètement, c'est ce que je dis ici. À vos risques et périls. Attention, glitcher peut entraîner le ban. À vos risques et périls, mais soyez discret. Si vous êtes discret, vous ne risquez rien. Là, je dis stop the ban, bah, pour essayer de dire aux gens, bah, arrêtez de ban, arrêtez de signaler aussi. Le glitch, c'est comme la drogue, c'est mal, vous voyez, tu vois. Que ça, c'est une petite phrase un peu humoristique, hein. Enfin bref, voilà, moi je voulais vraiment vous parler à chaud comme ça, hein. Je voulais vous dire ce que je pensais de tout ça et vous dire comment faire pour ne pas être signalé, donc je le répète, hein, peut-être que ça n'a pas été assez clair, si vous ne voulez pas être banni, il suffit juste de faire attention et être discret, parce que personne ne peut vous signaler en sauver le monde, donc si personne ne sait que vous êtes en train de glitcher, ben personne ne peut vous signaler, et si personne ne peut vous signaler, ben Fortnite va pas analyser 1 million de personnes, pour vous baiser, quoi. C'est pas possible, il va pas niquer 1 million de personnes. Il va pas analyser chaque compte de 1 million de personnes, parce qu'il y a quand même blindé de gens qui ont utilisé le glitch, hein. Quand vous regardez sur les vidéos américaines, il y a des 200 000 vues. Quand vous regardez ma vidéo, il y a 40 000 vues. Enfin, voilà, je pense que le glitch, il a tourné, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé, donc ils vont pas pouvoir bannir tout le monde. Donc si vous ne vous faites pas signaler, vous ne risquez aucun ban. Donc voilà.
Le signalement, c'est votre pire ennemi si vous glitchez. Si vous le faites en multi, c'est sûr que là vous êtes un peu chaud. Hein. Ne tuez personne en multi. Essayez de faire top 1 avec la zone si vous voulez vraiment glitcher en multi. Bon, moi je vous le conseille pas, c'est pour ça que je présente aucun glitch en multi, parce que bah, moi j'ai toujours présenté des glitchs en solo. Parce que voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de niquer le jeu des autres. Je veux aider les gens à avancer plus rapidement sur leur jeu. C'est tout des trucs. Par exemple, pour arriver prestige 10 niveau 1000 sur Call of Duty, il t'en faut des games, il t'en faut du temps. Moi j'ai pas toute ma vie à tuer des zombies, tu vois. Donc j'utilise des glitches, quoi, tu vois, tout simplement. Comme ça, j'ai déjà le niveau max et j'ai déjà tout ce que je peux avoir sur le jeu, quoi, tu vois. Au mieux de débloquer au fur et à mesure. Moi j'aime pas débloquer au fur et à mesure. Je préfère débloquer tout d'un coup. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça, je peux déjà me faire mes stratégies, mes trucs comme ça. Voilà, tu vois, je perds pas mon temps à chaque fois remettre à zéro mon jeu et tout ça. Enfin bref. Je suis en train je parle de ban, la vidéo elle va durer 5 heures si ça continue, donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait passer le message. Si vous voulez pas être ban, soyez discret. Si vous êtes discret, vous ne serez jamais ban, sauf si vous le faites des glitches en multi, mais ça je vous le déconseille. Faites que des glitches en solo, avancez dans votre jeu, essayez de prendre de l'avance dans votre jeu en solo, mais pas en multi, quoi. En multi, soyez légit. Moi, je suis un joueur légit. C'est pas parce que je suis un glitcher que je suis un connard, ok? C'est pas parce que t'es un glitcher que voilà, tu vois. C'est pas parce que t'es noir que voilà. C'est pas parce que t'es chinois ou que t'es blanc ou que t'es français ou québécois ou belge que voilà. Chaque personne est l'apparence ne fait pas la personne. Parce que je dis ça parce qu'en fait, il y a un type, il m'a dit ouais, t'es un glitcher, je te parle pas, tu vois. Je veux même pas prendre contact avec toi, je veux rien savoir. Moi, je t'aime pas, t'es qu'un connard, t'es que tchitchak. Va te faire enculer, frère, tu vois. Moi, je suis pas. Lui, il est raciste contre les glitchers. Moi, je suis raciste contre personne, frère, tu vois. Moi, j'accepte les gens avec leurs qualités et leurs défauts, frère. Et vous devriez tous le faire. Parce que faire changer une personne, c'est pas bien, tu vois. C'est pas bien. Soit vous l'aimez avec les qualités ou les défauts, soit vous l'aimez pas et vous la laissez tranquille, ok. Il y a déjà assez de problèmes comme ça dans le monde. Pour que les gens ils continuent à chercher des problèmes à d'autres personnes, tu vois. C'est qu'un jeu déjà de base, c'est un jeu virtuel, ok. L'argent que j'ai mis dedans, c'est pas virtuel, c'est l'argent que j'ai gagné, ok. J'ai gagné sur Fortnite, ok. Et alors, j'ai quand même dépensé mes 160 boules que j'avais gagné sur Fortnite, voilà. Donc ça c'est pas virtuel, c'est vraiment 160 euros que j'aurais pu mettre dans de la bouffe ou dans des habits ou dans autre chose, quoi, tu vois. Mais là, j'ai perdu son 160 boules. Ça me fait chier. C'est clair, ça me fait chier. J'espère qu'ils vont me déban. Ça, c'est clair, j'espère. Voilà, j'y suis quand même attaché à mon compte. Mais voilà, j'ai pas été discret. J'ai fait le malin. J'ai montré mon pseudo. Mais au moins, grâce à ces gens-là, je sais que la prochaine fois, je montrerai plus mon pseudo. Je vais faire plus discret. Et je vous enculerai. Et je vous baiserai. Et là, je vais encore faire des lives là-dessus. Tant que le glitch est pas patché, moi, je m'en bats les couilles, je fais des lives. Pourquoi? Parce que ma communauté, c'est ce qu'elle attend. Ma communauté, elle est youtubeur. Enfin, c'est des glitchers. Moi, je suis un youtubeur glitcher. Je fais ce que je suis censé faire, tout simplement. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en bats les couilles, les frères. Hein. Vous signalez moi si vous voulez. Là, de toute façon, vous pourrez plus rien signaler sur l'écran. Vous voyez plus mon pseudo, vous voyez plus rien. Voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je suis désolé de la longueur, mais j'avais vraiment quelque chose à dire. Je voulais vraiment en parler et je vous en ai parlé. Je sais pas si vous avez regardé toute la vidéo, mais si vous avez regardé toute la vidéo, merci à vous d'avoir regardé toute la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je suis entièrement à l'écoute de tout le monde. Chacun a son avis. C'est pas parce que vous pensez, vous par exemple, que j'ai bien fait d'être banni, que je le méritais, que je vais vous en vouloir et que je vais vous bannir, tu vois. Non, je vous laisse l'expression de parler. Vous pensez que je le mérite, ok, je le mérite. Vous pensez que je ne le mérite pas, on est d'accord sur ce sujet, c'est tout, tu vois. Si on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est pas pour ça que je vais aller vous signaler à Big Game ou à YouTube parce que tu m'as insulté. Non. Justement, faites l'amour par la guerre, les frères. Je suis soit cool mec, moi, tu vois. C'est pas parce que lui m'a signalé que je vais lui faire la guerre. Par exemple, Virtuose, là. Il m'a parlé, il a mis des petits émoticônes, marrant, content et tout. Parce que je me suis fait report. Mais, c'est pas pour ça que je le soutiens pas dans ses vidéos. Je lui ai parlé et tout. Je le trouve chouette. Pour l'instant, je le trouve chouette. Moi, il m'a rien fait de mal. On a su parler, on a su discuter. Il m'a pas jugé.
Il a très bien compris ce que je voulais, où est-ce que je voulais en venir. Il sait bien que lui aussi, je pense qu'il a glitché dans le passé, donc il sait très bien ce que c'est que glitcher, tu vois. C'est rien de mal, tu vois. C'est un jeu, c'est notre jeu, on fait un peu ce qu'on veut avec notre jeu, tu vois. Sur GTA, on veut pas payer 100 euros pour avoir 100 000 balles sur le jeu. Surtout que 1 million d'euros, tu sais rien faire avec 1 million d'euros. Tu vas payer 100 euros pour avoir 1 million d'euros et tu sais rien faire avec sur GTA. Bah, tu m'étonnes qu'on glitch, gros. C'est normal qu'on glitch. Et s'il y a un glitch de V-Bucks, tu crois quoi? Tu crois que je vais dire à ma communauté, oh non, je présente pas le glitch parce que j'ai pas envie qu'on me signale et qu'on me banne? Mais va te faire enculer, frère. Je préfère moi me faire ban. Au moins, je présente le glitch, je m'en bats les couilles, frère, tu vois. Moi, je suis fidèle à ma communauté, t'inquiète pas, tu vois. Moi, j'avoue que si il viendrait toucher à ma chaîne YouTube, là, j'accepterais peut-être un peu moins, tu vois. Mais je ferai quand même une autre solution, je créerai une autre chaîne YouTube et je posterai quand même le glitch, tu vois. Et j'enculerai le. Je niquerai le game, c'est tout, tu vois. Je suis un glitcher, je vous propose ce que moi je fais, ok, tu vois. Donc bref, s'il y a un glitch de V-Bug, bah vous pouvez être sûr que moi je vais vous le présenter, ça c'est sûr et certain. Après je vous dirai bien de faire très très attention, bien sûr, hein. Enfin bref, je raconte ma vie et il faut que j'arrête, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, c'était Sois Cool Mike, restez comme vous êtes, activez la cloche de notification bien sûr parce qu'à chaque fois j'oublie de vous le dire, et prenez soin de vous, c'était Sois Cool Mike, et ciao, peace.